peut pas faire ça sur Terre. Ici non plus, apparemment. Salut, je suis Skipper. Voici Stacy et elle, c'est Chelsea. Salut. Salut. Salut, je m'appelle Aquaria. J'ai toujours voulu avoir des sœurs. Waouh! Waouh, t'es trop forte. Ma nageoire spéciale m'aide à garder l'équilibre. Pourquoi ta nageoire est-elle différente? Je suis née sans nageoire, alors mon père m'a fabriqué celle-ci. Elle est très jolie. Merci. Chacun d'entre vous devra entrer en contact avec un nouvel ami, puis le guider à travers le parcours d'obstacles. Le premier à atteindre l'anneau d'or gagnera le défi de l'eau. Prêt? Trouvez votre ami. Salut ma belle, tu veux jouer? Je dirais qu'un, c'est par là. Hey! J'adore ta corne. Tu es un narval, n'est-ce pas? Dans mon monde, on t'appellerait une licorne des mers. Un, deux, trois! Ordinaire, non? Wouhou! Regardez cette nageoire! Il y a tellement de sirènes! On en voit des bancs entiers! Cet endroit est extraordinaire, Ayla, mais tu ne nous as toujours rien dit. Pourquoi sommes-nous ici? Pour obtenir vos pouvoirs, évidemment. Des pouvoirs? Tu veux dire des super pouvoirs? En quelque sorte, je suis une sirène de l'air. C'est pour ça que je peux respirer hors de l'eau, comme toi. On va tout en recevoir. Il me faut un nom d'héroïne sirène. Pourquoi pas... Ultra sardine! Aïa! Aïa! Tu as fait peur à Buffy. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Désolée. Alors, tu nous as amené non pas une, mais deux humaines pour participer au jeu. Coralia. Oui. Voici Barbie et Barbie. Bonjour. Salut. Waouh! Qui aurait pensé que des sirènes pouvaient organiser une telle fête? Pas moi. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Vous entendez? Oh, je n'ai jamais rien entendu de tel. Oh, cette musique est géniale! Les filles, il faut que je voie ça de plus près. Puis-je vous proposer un amuse-bouche? Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est? Des algues, bien sûr. Nous ne mangeons rien d'autre. Bien sûr. C'est savoureux. Ils étaient vraiment obligés de laisser les racines. Du sable. C'est plein de sable. La prochaine fois, goûtez les cupcakes aux algues. Ils sont très sucrés avec beaucoup moins de sable. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu essayais d'ouvrir la barrière? Oui, je crois qu'elle est coincée. Elle n'est pas coincée, elle est verrouillée. Bon, alors aide-moi, tu veux bien?
Non, stop, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Il a le droit d'être libre. Mais il est malade. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est la spécialiste des dauphins qui nous a dit ça. Mais non, il n'a rien. Il va très bien. Comment le sais-tu? Tu travailles ici? Non. Alors, est-ce que tu vis ici? Non, mais j'ai grandi sur une île lointaine. Une île si lointaine qu'elle est presque inaccessible. D'accord, et donc? Donc j'ai vu assez de dauphins pour savoir qu'il n'a rien. C'est un dauphin pierre précieuse. C'est normal qu'il soit de cette couleur. C'est vrai, c'est exceptionnel. Attends, comment connais-tu les dauphins pierres précieuses? Tu en as déjà vu auparavant? Oui, quelques-uns. Alors il y en a d'autres? Marlowe dit que les dauphins pierres précieuses sont une légende. Qui? Marlowe, c'est la spécialiste. Elle a dit qu'il était malade et qu'il devait rester ici. Je ne crois pas qu'elle soit une spécialiste. Écoute, je suis d'accord, ce dauphin devrait être libre, mais... Mais quoi? Mais Marlowe veut le faire examiner demain par un vétérinaire du continent. Elle dit que ce dauphin a été pris dans des filets et qu'il faut l'examiner avant de le libérer. Je pense que tu as raison et qu'il va très bien. Mais ne vaut-il pas mieux s'en assurer totalement? Il ne devra attendre qu'un seul jour. Écoute, on va faire un marché, d'accord? Tu ne dis rien à Marlowe au sujet des dauphins pierres précieuses, et moi, j'attends que le vétérinaire vienne demain. D'accord. Bien, on dirait qu'Emeraude approuve. Emeraude? Tu connais son nom? C'est parce qu'il est vert, alors ça m'a paru logique. Ça lui va? À propos, je suis Barbie. Et moi, Ayla. Heureuse de te rencontrer, Barbie. Tu es venue en vacances ici avec tes parents? Oh, non, je suis venue seule. Nous aussi. Hé, le vétérinaire ne viendra pas avant demain. Viens chez nous et je te présenterai mes sœurs. Waouh! Des dauphins pierres précieuses! C'est extraordinaire! Regarde leurs couleurs! Ils sont merveilleux! Ayla, c'est incroyable, non? Oui, je sais. C'est ce que je me dis à chaque fois. Quoi? Tu as déjà fait ça auparavant? Ruby! Attends, Ruby, alors tu connais son nom? Hé! Hey. Alors, tu es une sirène ?